Salut tout le monde, c'est 48h. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Uncharted 4 pour l'épisode 12. Autrement, je tiens à vous remercier pour les 129 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir de votre part. Franchement, ça me fait plaisir. Autrement, au niveau du contenu sur la chaîne, je sais que je suis pas trop actif sur la chaîne pour des raisons que je n'ai pas tellement d'idées de vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je me mettrai à faire des vidéos sur Destiny quand il y aura le nouveau DLC qui sort le 20 septembre, je le rappelle, hein, Rise of Iron. Donc voilà, puis je ferai des vidéos certainement sur Infinite Warfare et Code 4 masterisé, parce que je pense franchement l'acheter. Donc voilà. Donc pour ma part, je vais vous laisser sur le gameplay. Je vous dis à la prochaine pour un commentary. Allez, ciao, bye bye. Alors ça s'incroyable. Ah, c'est un bon début. Il n'y a plus qu'à espérer que le reste n'est pas enseveli sous des siècles de caillasse et de poussière. Un peu d'optimisme, c'est trop demandé. Sam, là-haut. Allez, j'arrive. Personne. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Réparer le toit ne serait pas de trop. Ce serait bien s'il pouvait pas nous tomber sur la tête. Sam, par ici. C'est pas par ici. Hé, Nathan, je crois que j'ai trouvé un passage. Nathan, c'est par là. Oh, cette poussière. Ramper, c'est un super exercice pour les quadriceps. T'as vu cet endroit? C'est loin d'être une faillite. C'est clair. On voit que c'est un véritable travail de maçonnerie. Je veux bien, mais d'où ils venaient ces maçons? Dans les poussages, il n'était pas rare de voir de bons carpentiers. Sonneliers, mais pas ces maçons. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un appareil photo? Bah, on en a un. Oh, mais arrête, tu déconnes. Non, je te jure. Il est dans le bateau avec le reste de nos affaires. Oh. Du bien de pouvoir s'étirer. Ouais, tu l'as dit. Regarde, il y a une sortie là. Ah oh, non, c'est trop haut. Même en faisant la courte échelle, faut trouver un truc sur lequel on peut monter. Cette caisse me donne une idée. On y va. Attention! Ok, on progresse là. Je crois que tu devrais venir voir ça. Qu'est-ce que tu vois? Aucune maison, des rues très larges, une sorte de zone industrielle à l'abandon. Hey.
Merci pour cette info, Nathan. Allez, qu'est-ce que tu vois? Tu veux juste me l'entendre dire, c'est ça? Mais oui, je veux vraiment te l'entendre dire. Ouais. Libertalia. Oh Libertalia, la grande utopie des pirates, la ville perdue légendaire, découverte plus de 300 ans plus tard par l'illustre Samuel Drake. Et son idiot de jeune frère, légèrement moins charmant, qui lui collait au train depuis la nuit des temps. Tu sais, j'ai toujours su qu'on ferait quelque chose de toi. Je sais pas si tu sais, mais j'ai déjà fait ça avant. Laisse-moi profiter de l'instant. Alors, par où on commence? Qu'est-ce que tu dirais de ce bâtiment là-bas? Oh, tu parles de celui avec les tours de garde? C'est ça. Justement, on devrait aller voir ce qu'elle gardait. Allez, c'est parti. C'est... Oh, ça me laisse sans voix. Putain, bordel de merde, Nathan! C'est ça que t'appelles sans voix? Tu crois qu'il leur a fallu combien de temps pour construire tout ça? Des années. Des décennies, même. Comment est-ce qu'ils ont réussi à garder ça secret pendant si longtemps? Hé, hey Sam, dis un peu ça. On dirait comme un code de conduite pour pirates. Je croyais que tout l'intérêt de cet endroit, c'était de vivre sans règles. Même les pirates ont leurs propres règles. Capitaine Avery, je me demandais quand on allait vous voir. C'est quoi ce symbole? J'en ai vu quelques-uns quand je venais te retrouver. Alors qui peut bien marquer ces endroits? Est-ce que c'est une sorte de sceau? Non, je crois pas que je sache. Des envahisseurs, peut-être? Ils devaient avoir un bon paquet d'ennemis, ces gars-là. T'as sûrement raison. Hé hey Nathan, regarde ça. J'aurais aimé prendre une photo de moi là-dedans. Si seulement on avait un appareil photo. Si tu veux, je te dessine dans mon journal. C'est vrai? Ouais. Par ici, suis-moi. Hé, hey Sam, viens voir. J'ai trouvé quelque chose. J'arrive tout de suite. Oh, ok, je crois qu'on rentrera pas par là. C'est bizarre. Ces tunnels ont l'air beaucoup moins aboutis que le reste de la colonie. Comme si on les avait construits à la va-vite. Ouais, tout à fait ça. Ça devait être une planque ou un truc du genre. Peut-être, mais de qui ils voulaient se cacher? D'eux-mêmes? Regarde ça. On dirait que c'est un plan du quartier commercial. Ouais, et... Boum, voilà notre trésor, juste là. Tu vois, elle est là, la tour. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de préparer? Voilà notre sortie. Je vois de la lumière là au fond. C'est pas vrai. Hé hey, j'ai trouvé le reste de la colonie. Thank you.
Tenez, petit frère. Oui, c'est bon. Prends autant de munitions que tu peux. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Ça peut être moi qui cherche le trésor. Connaissant Rafe, les deux. Et d'autres types de shoreline. Je dirais que Ghost de Rich avait raison. Il était temps qu'on ait droit à une vraie paye. Ils sont pas ici! Derrière la caisse! Oh, c'est la merde! Nate! Un tir blindé! Est-ce que t'en vois d'autres? Ou la voie est libre? Je pense que c'est bon. Tout va bien? Ouais, juste un peu soufflé. Allez, Sam! C'est stable, ce truc? Aussi stable que tout ce qu'il y a autour de nous! Oh, ok, alors, non. Oh, bon! J'arrive. Attention, tu risques de faire basculer tout le bâtiment. Hey, t'as déjà fait un truc comme ça? Non. C'est que le gouvernement fuyait des villages. C'est ça. Ça c'est cool. Ok, messieurs.
bien, tout va bien. Allez, prêt ? Je suis prêt. Ok. À toi. Merci. Attention, c'est très haut. Ouais, je vois. Ok. Oh, oh, merde! Ouh! Attention à la première marche! C'est délicat. Ouais. L'échelle est cassée au milieu. On va faire avec. Continue de monter. Alors, tu t'en sors ? Il y a une sacrée vue ! Fais-moi confiance et suis-moi, d'accord ? Tout ça ? Ouais, quelque chose comme ça. On doit être arrivé dans le quartier chic. Mais c'est pas résidentiel pour autant. Qu'est-ce que
t'en penses? Un bâtiment administratif? Probablement. Peut-être que Libertalia avait un hôtel de ville. Ouais, peut-être. Et peut-être même qu'il payait des impôts. Qui sait? Putain de merde. Vous étiez donc là, mes fameux corps. Certains d'entre eux. Putain. Des canons, des barricades de fortune. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Sûrement un genre de bataille. C'est pas vraiment une question. La vraie question, c'est qui se battait contre qui et pourquoi? C'est le moins qu'on puisse dire. Que personne n'a mis les pieds ici. Ok. Bon. On cherche des indices? Ouais, on cherche des indices. Rien. Ça. Vieux manifeste, plein de trésors. Vide. Il y a plein d'étagères vides ici. Ah, des vêtements sophistiqués, une sorte d'uniforme. T'étais un garde ici, non? Beau travail. Encore un voleur. Nathan, par là. Hey Nathan, regarde ça. T'as quelque chose? J'ai trouvé une pièce. T'as vu, c'est le sceau d'Avry. Il a dû faire fondre l'or et frapper sa propre monnaie. On a donc une pièce et des étagères pleines de manifestes. Le trésor était là. Ouais. Mais ça nous dit toujours pas où il est maintenant. Ok. Alors on sait que dehors ça s'est bagarré sec. Et à l'intérieur aussi. Tu penses que les colons l'ont volé? Non. Je crois qu'ils voulaient récupérer ce qui leur appartenait. Regarde. Là c'est Avry. Tu...
et tous les fondateurs. Tous sont désignés comme voleurs. Pas assassins, pas tyrans. Voleurs. Alors quand les colons ont fini par débarquer là, le trésor était déjà loin. Tout juste, parce que ces gars-là s'en étaient déjà emparés. C'était loin d'être des enfants de cœur. C'était loin d'être des enfants de cœur. Je sais où ils l'ont emmené. Quoi ? Où ? C'est une carte ? Ouais, juste là. C'est notre trésor. C'est une carte de Libertalia ? Et si tu la suis jusqu'à l'autre côté de l'île, juste là. New Devon. Attends, Avery était du Devon en Angleterre. Exactement. Est-ce que t'as vu la taille de ces baraques ? C'est impressionnant. Et chacune d'entre elles porte son propre sceau. Oui, parce que c'est là qu'il vivait. La prochaine étape, c'est de grimper en haut de cette tour. Qu'on sache où on est. New Devon, nous voilà. Bon, comment on monte là-haut ? Accepte juste le compliment. Pas de malheur. Qu'est-ce que j'avais dit ? Attends ! C'est pas génial ? Bien sûr ! Sam, quoi ? Rien, je voulais vérifier que t'étais pas écrasé comme une grosse merde. Ah, ah. Regarde-moi ça. Et voilà tout excité. Je te fais monter ? Avec grand plaisir. Allez, prêt ? Je suis prêt. La vue est imprenable, hein ? C'est juste là. De l'autre côté de cette rivière. Allez, ne traînons pas là. On va voler les riches, hein ? Sur qui ou quoi on va tomber. Tout va bien.
avec nous. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Là-dessous, vite! Réfléchis pas, vas-y! Nathan! Nathan! Relève-toi, faut qu'on se tire! Allez, grouille-toi! Grouille! Salut Nadine, quel plaisir de te revoir. Aïe, ok, ok, pastèque. À quoi est-ce que tu joues là? C'est mon signal de détresse. Faut toujours que tu fasses le malin. C'est plus fort que moi. C'est ça. Ton frère et toi, vous êtes sans doute les chasseurs de trésors les plus compétents de cette île. Quel dommage qu'on soit adversaires. Et pourquoi on ferait pas équipe? Avec un Drake? Non merci, j'ai déjà donné. Attends, attends, tu vas pas qu'on en... Bon, je pensais pas que ce serait aussi violent. Ça dérange pas. Je vais bien trouver le chemin. Après tout ce que j'ai fait, tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Je crois que ce serait une bonne idée, ouais. Oh, allez, Nadine, tu plaisantes, là. On sait que t'es une dure à cuire et tout, mais... on est quand même deux, là. Je te signale que mes hommes sont déjà en chemin. Tout ce que j'ai à faire, c'est gagner du temps. À moins que j'arrive à vous finir toute seule. Ah, c'est pas vrai. Une pause.
T'es rapide, mais pas à ce point-là. Laisse tomber, Sam. Faut qu'on fiche le camp avant qu'il nous tombe. Oh merde. Oh, du calme, du calme. On respire un bon coup. Comme c'est intéressant. Nate. Samuel. Posez vos armes! Tout de suite! Non. Rafe, pourquoi le contrarier? Vous en faites pas, Nadine, il vous fera aucun mal. Ces gars-là sont pas des meurtriers, ils sont pas taillés pour. Et t'es prêt à parier sa vie là-dessus? Je m'en fous. Tu l'as. Sam. Si je meurs, vous mourrez tous les deux. Ça m'est égal. Ne fais pas un pas de plus! Tu veux dire... comme ça? Sam, arrête ça tout de suite. Je t'aurais prévenu. Tu l'as! Rafe! C'est fini! Ne tirez pas, ne le tuez pas! Jette ça! C'est fini. Ok? C'est fini. Il vous fera aucun mal, Nadine. C'est pas des meurtriers. J'y peux rien, je l'en croyais pas capable. Samuel, tu vas bien? Tu doutais que ce moment arriverait un jour. Hey! Pas besoin de faire ça. Tu nous tiens, n'en rajoute pas. T'es un homme d'affaires, alors contentons-nous de passer un marché. Un marché? Ah, tiens. Et qu'est-ce que t'as à me proposer? Continue, je t'écoute. Ok, ok. Alors, ce que tu veux, c'est le trésor d'Avry? On t'aide à le trouver. Et en contrepartie, je vous laisse en vie? C'est ça. Et puis, tu nous donnes une part. Il est vraiment pas possible, ce mec. Juste assez pour pouvoir lui rendre sa liberté. Sa liberté? Nathan. Ouais. Il en a assez bavé, non? Ce type qui l'a fait sortir, Hector Alcazar, il lui doit un paquet de fric. Wow. Attends, mais c'est quoi ces conneries, Nate? Hector Alcazar est mort dans une fusillade en Argentine, il y a plus de 6 mois de ça. Et c'est moi qui ai fait sortir Samuel. Quoi? Oh. Waouh. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Sam, qu'est-ce que t'es allé inventer comme histoire avec Alcazar? Vraiment, t'exagères. T'as osé mentir à ton petit frère. On perd du temps. Ce sera pas long. Pour tout te dire, Nate, j'ai jamais vraiment arrêté de chercher le trésor d'Avry. Mais mes recherches n'ont jamais vraiment abouti, tu vois. Et un jour, j'entends dire que ce bon vieux Samuel Drake, une sommité en la matière, est vivant, mais aussi en bonne santé. Il n'y a pas eu de grande évasion. J'ai soudoyé le directeur de la prison et ton frangin est sorti par la grande porte. Ça fait 2 ans qu'il essaie de mettre la main sur la deuxième croix de Saint-Dismas. Et devine quoi? On faisait équipe, lui et moi. Non. Et si? Non, c'est des conneries. Bon. Sam, quelque chose à dire? Nate. Sam, non. Non, me dis pas que c'est vrai. Écoute, le trésor d'Avry nous revient. Je pouvais pas le laisser... J'ai tout laissé tomber pour toi. Mais attends, Nate, si ça peut te remonter le moral, moi aussi, il m'a doublé. Il m'a poignardé dans le dos en vous ramenant. Toi, le vieux schnock dans cette équation, et je vais pas te mentir, Sam, ça m'a vraiment... contrarié. Mais tu sais quoi? C'est de l'histoire ancienne. Tu mérites pas ce trésor. Et toi? On est tous les mêmes, des voleurs, non? On essaie de déterrer des vieux trucs. Rafe. Quoi? Il est largement temps d'abréger. Sinon, je m'en charge. Vous avez entendu la dame? S'il te manque un seul indice, tu pourras dire adieu au trésor. Tu l'as dit toi-même. Tes recherches n'ont jamais abouti. Pourquoi tu veux pas l'admettre? T'as besoin de nous. T'as raison. Enfin, à moitié.
J'ai juste besoin de Sam. Non, attends, tu te trompes, t'as besoin de... C'est pas vrai. Nate ! Hé ! Nate ! Ouais. Voilà, c'est là. Je me demande qui peut bien vivre ici. Alors là, aucune idée. Mais en tout cas, c'est la bonne adresse. Nous y voilà. Waouh. Cet endroit est gigantesque. On commence par où ? Ben, on commence par trouver un moyen d'entrer. Après, on fera la visite complète.